Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site theturf.fr. Alors, ce dimanche 28 août, direction l'hippodrome de Beaumont-Lomagne, ce sera la seule réunion PMU au trot, réunion 3, une réunion qui se dispute, comme vous le voyez, très tôt. Hein, elle commence à 11h35, donc il faudra être précis au rendez-vous. Moi, je me suis intéressé à la cinquième course, le prix Jean-Pierre Gailing, une compétition réservée à des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 76 000 euros. 9 concurrents au départ, 2400 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart. Et dans cette compétition, j'ai retenu pour vous deux concurrents que je vais vous indiquer en jumelé gagnant placé. On va commencer avec le numéro 1, Harrison Duplessis, qui, comme vous le voyez, est quasiment irréprochable hein, ces derniers mois, même depuis un bon moment. Ces dernières semaines, c'était excellent. On fait appel à Alexandre Aveva, regardez déjà sa dernière performance derrière Histoire d'Una. Histoire d'Una qui va courir le quintet de ce lundi sur l'hippodrome de Vincennes et qui a une belle chance à défendre en plus. Donc vraiment une ligne très intéressante. Elle battait en plus, il battait pardon, Ed Scott qui est un très bon cheval également chez Arnaud Chabat. Donc voilà, un concurrent qui sera déféré des postérieurs comme lors de sa dernière tentative. Je pense vraiment que Philippe Boutin en attend une grande performance. En tout cas, ce serait à juste titre vu ce qu'il a montré et vu ce qu'il est capable de faire et vu surtout la qualité de l'engagement. Et le deuxième cheval, ce sera le numéro 4, Happy Dubois, qui sera déféré des 4 pieds. Un concurrent qui est en grande forme, hein, qui reste sur 3 victoires sur des pistes en herbe. Vous allez voir, hein, Luxé, Bagnole de l'Orne et Reims, pardon, c'était pas une piste en herbe sur l'hippodrome de Reims. Avec Alexandre Abrivard d'ailleurs, il s'imposait déféré des 4 pieds en 1-14-1, un très bon chrono et assez facilement. Donc un concurrent qui est très performant en plus à cette période de l'année. J'ai vu que l'année dernière, il s'est également très bien comporté durant l'été. Il a même une deuxième place dans un lot très intéressant à Cabourg. Donc un concurrent qui est bon droitier, qui est en forme, qui sera déféré des 4 pieds. Donc rien à lui reprocher avant le coup. C'est également un des concurrents qui devrait lutter pour la victoire. C'est pour ça hein, que je vous conseille ces deux concurrents en jumelé gagnant placé. Donc voilà, ce sera en réunion 3, la cinquième course du programme. L'As et le 4 à jouer. Donc moi, comme à mon habitude, 1 euro gagnant et 2 euros placés pour ce jumelé de ce dimanche. Ce sera donc le pari du jour. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour à Paris. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Merci une nouvelle fois de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de Un jour à Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.